Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue, comme de coutume, chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, tout en vous souhaitant des riches bénédictions de la part du Seigneur pour ce que vous allez entendre dans ces émissions. Ces émissions qui sont entièrement dédiées au Seigneur, qui sont dédiées à sa gloire. Et dans ces émissions, il n'est pas question qu'un homme puisse se glorifier. Mais nous voulons que toute la gloire lui revienne à lui seul. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous pendant que nous sommes rassemblés autour de sa parole, comme il est écrit en rapport avec le temps dans lequel nous vivons, que là où se trouvera le corps, là s'assembleront les aigles, et que Dieu puisse ouvrir suffisamment notre entendement spirituel, qu'il puisse ouvrir nos cœurs, et que nos cœurs soient réellement un champ défriché, un champ vraiment bien nettoyé, pour recevoir la parole de vie, la parole de Dieu, et que cette semence puisse germer en nous et porter beaucoup de fruits pour la gloire de notre Père. Ainsi, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Nous vous disons, en tout cas, merci beaucoup pour vos soutiens, pour vos prières à notre égard. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prient pour nous. Nous vous remercions aussi pour vos soutiens matériels, pour vos moyens financiers que vous contribuez pour le succès de ces émissions. Et nous vous remercions aussi, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, pour tout ce que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et ma prière est que le Seigneur puisse vous remettre en centuple ce que vous faites pour son œuvre et que la gloire ne revienne à lui seul pour tout ce que nous faisons et que les enfants de Dieu soient ramenés dans la bergerie et qu'ils puissent fuir tous les cachots de Satan. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre organisation religieuse, Dieu ne regarde pas tout cela. Dieu, il a des enfants sur cette terre. Il a dit que mes brebis connaissent ma voix, mes brebis quand elles écoutent ma voix, quand elles entendent ma voix, elles me suivent. Et ne suivent pas les étrangers parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et sa voix, c'est la voix de sa parole. Et quiconque est de Dieu, il reconnaîtra quand la parole de Dieu est proclamée et cette parole lui montrera le chemin pour entrer vers son Père. Et si nous voulons revenir à notre Père Céleste, nous devons revenir avec une décision personnelle, pas une décision de groupe, et que nous puissions aller vers lui, que nous puissions lui dire que nous avons vécu une vie sans toi et nous avons été des rebelles, mais nous savons que le pardon des péchés se trouve auprès de lui. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul puisse nous parler. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans n'importe quel pays, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, que vous soyez aux Philippines, n'importe où ces émissions vont vous atteindre, parce que nos émissions vont très loin avec les moyens technologiques que la science nous donne aujourd'hui. Que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Dieu vous aime et ce qu'il veut, c'est votre salut. Il veut que chacun de vous puisse arriver à la connaissance de la vérité et qu'il puisse repentir sincèrement et qu'il soit sauvé. Ainsi, attachez vos ceintures. Nous allons bientôt décoller dans le lieu très haut, là où toutes choses sont possibles à celui qui croit et que Dieu nous aide et que nous puissions tenir bien là-haut si nous sommes réellement des aiglons. Parce que si nous sommes des faucons, si nous sommes des vautours, nous ne pourrons pas monter très haut, parce que là, il n'y a que les aigles qui peuvent y aller. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois, on tourne vers lui, et que lui seul puisse nous parler comme il a coutume de le faire. Et sa parole, quand elle vient, elle touche surtout les cœurs. Et que nos cœurs soient changés, et qu'il puisse nous donner un nouveau cœur, qu'il puisse nous donner un esprit nouveau, et qu'il puisse prendre son esprit, qu'il puisse le mettre en nous, afin que nous puissions vivre et mettre en pratique ses ordonnances et que nous puissions nous aligner sur sa parole et vivre comme lui voulait que nous puissions vivre et que nos vies soient un parfum de bonne odeur à ses narines. Ainsi, nous attendons à lui pendant qu'encore une fois, nous croyons qu'il va nous parler au travers de sa parole. Nous sommes en train de nous entretenir de ce message glorieux que Dieu nous a envoyé dans ces temps de la fin. Le message biblique du temps de la fin, le seul message qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Il n'y a pas de préparation dans les organisations des hommes, il n'y a pas de préparation dans toutes les organisations, les dénominations.
Mais Dieu nous a envoyé un seul message pour contrôler ce message, que nous puissions réellement être préparés afin d'être ce jour-là sans tache ni ride ni rien de semblable, que nous soyons saints et irréprochables pour aller à la rencontre de l'Époux, être avec lui pour l'éternité. Et nous sommes en train de parler de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et ça, c'est très important parce que la foi véritable, c'est celle qui reconnaît ce que Dieu fait dans son temps. Celle qui reconnaît ce que Dieu fait pendant qu'ils sont encore dans ce corps de chair, qu'ils voient et qu'ils entendent, et qui peuvent identifier exactement la parole révélée pour leur temps, qu'ils reconnaissent le jour dans lequel ils vivent et le message qui est adressé à ce jour, et qu'ils puissent reconnaître les personnes ou la personne que Dieu a utilisée comme messager donc propager sa parole pour ce temps-là. Ainsi, nous voulons nous retrouver réellement dans la volonté de Dieu et ne pas travailler en dehors de ce que Dieu fait. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, un peu plus bas, en disant que nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, nous parlons de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps et nous lisons tout le temps ce passage de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 28. Là où l'apôtre Paul se référant à un écrit dans l'Ancien Testament, il dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc, il n'y a rien qui peut s'opposer à sa volonté. Il exécutera pleinement tout ce qui est dans son programme et non seulement, comment je veux dire, tout ce qui est comme bénédiction, mais ce qui est aussi comme malédiction. Et les paroles de bénédiction parlent de bénédiction. Et nous voyons que beaucoup de gens ne font pas attention à cela, mais que Dieu nous aide à comprendre cela et à nous attacher pleinement à ce que Dieu fait dans notre temps, afin d'être trouvés par lui, étant pleinement plongés dans son œuvre et pas dans nos propres œuvres. Et nous sommes arrivés au point où nous parlons de ce ministère des distributions de la parole, de la nourriture emmagasinée pour notre temps, dans notre spirituel, le temps convenable. Et Dieu a promis un ministère au travers lequel cette nourriture qui est emmagasinée doit être distribuée. Et nous devons faire attention à cela parce que les enfants de Dieu, donc, ils sont attentifs à ce que la parole de Dieu dit et il se conforme à cela. Et nous avons lu pour cela dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, c'était une prophétie, mais qui aujourd'hui est déjà, je peux dire, une réalité vivante au milieu de nous. Matthieu chapitre 24, du verset 45 au verset 47, il est dit ceci: quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Non seulement fidèle, mais prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Voilà les trois versets qui sont un peu mystérieux, mais Dieu promet que ce ministère sera manifesté sur la terre avant le retour de Christ, avant la seconde venue de Jésus-Christ. Et de la même manière que nous avons fait attention pour identifier le ministère du prophète, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, il est dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour terrible, le jour du Seigneur arrive. Et quand Élie viendra, il ramènera le cœur des enfants vers le cœur du Père. Et nous avons veillé sur cette écriture et nous avons identifié ce ministère comme étant manifesté pleinement dans un homme. Et cet homme, c'est William Branham, un autre frère qui a vécu aux États-Unis, qui est né dans le Kentucky et qui a été confirmé par Dieu lui-même parce que selon Ésaïe chapitre 44, verset 26, le Seigneur dit: moi, je confirme mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et nous voyons que Dieu, quand il envoie quelqu'un, lui ne reste pas en arrière. Lui ne dit pas: écoutez,
Allez-y, moi je vais vous suivre. Non. Lui, il dit, il est en avant, il dit, ben, suivez-moi. C'est ça notre commandant en chef. Lui, il n'est pas comme les généraux, comme les officiers sur la terre, écoutez, allez-y, avancez. Non. Lui, il est devant, il dit, écoutez, suivez-moi. Et nous voyons que, et quand il envoie ses serviteurs, il est avec eux, il travaille avec eux. Nous avons donné suffisamment de preuves. Nous avons lu ce qui est écrit dans Marc chapitre 16 à la fin, où les apôtres sont partis prêchant l'évangile, et la Bible dit que le Seigneur travailla avec eux, confirma la parole par des miracles, par des signes, par des prodiges qui les accompagnaient. Et nous voyons ici que même le Seigneur lui-même, en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il disait que celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, il est avec moi. Les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est le Père qui demeure à moi qui les dit. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui demeure à moi qui le fait. Ainsi, nous voyons que chaque homme que Dieu envoie, Dieu est avec lui. Regardez, le Seigneur a dit ça aux apôtres, enfin aux disciples, qui allaient devenir des apôtres. Prenez avec moi Jean chapitre 20. Là, après la résurrection, quand il voulait maintenant rentrer au ciel et qu'il parlait à ses disciples, et regardez qu'est-ce que c'est qu'il leur dit. Et regardez, allez avec moi dans Jean chapitre 1. Et il dit ceci. Au verset 21, Jean chapitre 20, verset 21, il parle seulement ici. Jésus n'est jamais réapparu aux pharisiens. Il n'est jamais réapparu aux sadducéens. Il n'est jamais réapparu aux Sanhédrin. C'était dépassé. Ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Leur temps était passé. Après sa résurrection, il s'est occupé uniquement de la semence et lui de la semence prédestinée. Ici, au verset 21, il est dit, Jésus leur dit, en parlant à ses disciples, qu'elle est devenue des apôtres. L'apôtre signifie l'envoyé. Il dit, la paix soit avec vous. C'est la première chose qu'il leur dit. Comme le Père m'a envoyé, en quelque sorte, de la même manière que le Père m'a envoyé. Comment le Père l'a-t-il envoyé? En venant habiter en lui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comment nous envoie-t-il? En venant tabernacler en nous. C'est pourquoi il a dit à ses disciples que ne quittez pas Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous serez vêtus de la puissance d'en haut. C'est seulement ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que quand cette puissance viendra sur vous, c'est à ce moment-là que je viendrai habiter en vous pour pouvoir être le témoin fidèle qui va témoigner de ma parole au travers de vous. Et comme de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ainsi, chaque serviteur de Dieu que Dieu envoie, qu'il soit petit, qu'il soit grand, sachez qu'il a Jésus en lui. Donc ne minimisez pas un ministère parce qu'il est petit. Tous, petits ou grands, le dénominateur commun, c'est que le Seigneur est en eux. Il marche avec le Seigneur. Donc quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, en vérité, il établira sur tout ce bien. Je voudrais dire ceci à mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs. Ici, dans ces émissions, nous ne sommes pas des fanatiques des hommes. Ici, nous ne faisons pas la publicité d'un homme, mais ici, nous sommes là pour reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps, les prophéties accomplies dans notre temps, et pour appuyer ce que Dieu fait, parce que, comme l'apôtre Paul disait, nous n'avons pas d'armes contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Et quand Dieu accomplit sa parole, écoutez, mon bien-aimé frère, il ne te demande pas ton avis. Quand il appelle quelqu'un, il appelle selon sa volonté. Tout ce qu'il demande, c'est de reconnaître ce qu'il fait et d'appuyer ce qu'il fait. En ce moment-là, nous ne sommes pas des fanatiques des hommes, mais nous sommes, je peux dire, des disciples de Jésus, croyant ce qu'il dit et, comment je veux dire, appuyant par des amens tout ce qu'il fait. Et nous voyons que quand cette prophétie a été prononcée, je peux dire que même quand le prophète était sur la terre, et personne ne savait qu'il y avait cette prophétie qui allait s'accomplir. On pouvait dire cela, mais sans comprendre de quoi il s'agissait. Jusqu'au jour où
Il y a un homme sur cette terre qui a rendu témoignage en disant que le Seigneur m'a appelé selon cette écriture. Et ce n'est pas venu de lui-même, parce que lui aussi, on lui a posé la question de lire son témoignage en disant, il s'appelle Ewald Frank d'Allemagne, à cette époque-là, c'était au début des années 80, et il y a un frère qui lui a posé la question, mais frère, tu es en train d'aller de ville en ville, en train de prêcher la parole de Dieu. William Branham avait une écriture, Malachi chapitre 4, il avait Luc 17, 30, il avait d'autres écritures qui se réfèrent à eux, Matthieu 17, 11, mais toi, quelle est l'écriture qui couvre ton ministère? Et cet homme, humble serviteur de Dieu, a dit, frère, je n'ai aucune écriture. Je n'en ai pas. Je sais simplement que le 2 avril 1962, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit que mon temps dans la ville de Krefeld allait prendre fin et que j'irai de ville en ville, là où il va m'envoyer, pour pouvoir apporter sa parole. Et puis il m'a dit que je me tiendrai au milieu du peuple pour discuter la nourriture qui a été emmagasinée. C'est tout ce que je sais. Mais l'écriture, je n'en ai pas. Et puis, frère, ne parlons plus de cela. Ça me gêne un peu. Parlons d'autre chose. Et le lendemain, au petit matin, le Seigneur lui-même l'a réveillé. Il lui a dit, « Mon serviteur, je t'ai établi selon l'écriture de Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 47. » Prenez seulement ces 3 versets-là. N'allez pas avant, n'allez pas après. Contentez-vous uniquement de ces 3 versets-là. Mon serviteur, j'étais établi sur base de cette écriture de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. C'est ainsi que nous savons que cette écriture est réellement accomplie de nous. Et je souligne ceci en disant que cette écriture parle d'un seul serviteur. Il ne parle pas de plusieurs serviteurs. Tous ceux qui s'élèvent, que ce soit en RDC, que ce soit dans n'importe quel pays, pour dire que nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, de Matthieu 24, 45, je vous dirais que vous êtes simplement un menteur. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Mais je peux vous dire ceci, que tous les vrais serviteurs qui travaillent pour l'épouse de Christ aujourd'hui, sont dans cette écriture. De quelle manière? De quelle manière? Moi, je suis dans cette écriture, mais je ne suis pas le serviteur fidèle et prudent. Vous comprenez? Moi, je suis donc le compagnon, parce qu'il est dit, ce serviteur que le maître a établi sur ces gens. Dans d'autres versions, il est écrit sur ses esclaves, sur ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il est comme un capitaine chef qui a été placé au-dessus pour leur donner la nourriture spirituelle, la nourriture au temps convenable, la nourriture appropriée, pas la nourriture avariée. Et nous voyons que tous les vrais serviteurs qui travaillent pour la préparation de l'épouse, ils sont dans cette écriture, ce sont eux les esclaves sur lesquels le maître de la maison a établi un serviteur fidèle et prudent afin qu'il puisse leur donner la nourriture au temps convenable. Vous comprenez? Mais le serviteur fidèle, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Ainsi que la clarté soit apportée pour que la confusion ne soit pas propagée parmi les gens. J'ai eu l'occasion personnellement, moi, votre humble serviteur, de causer avec ce serviteur fidèle. Nous étions quelque part, c'est en Angola, et nous étions à 2. Et j'ai profité pour lui poser la question. Je dis, frère Franck, il y a des gens qui croient qu'il y a plusieurs Matthieu 24, 45. Et ils disent, écoutez, nous sommes tous là-dedans, nous sommes de Matthieu. Il me dit à moi, il dit, bien-aimé frère, l'écriture là, c'est singular. Nous étions en train de parler en anglais. C'est singular. Il te singular. Donc, ce n'est pas au pluriel, c'était singulier. Il dit, bon, moi-même, je ne peux pas parler de cela comme ça. Les gens vont penser que je suis en train de, comment je veux dire, de faire ma publicité. Il va me faire la confidence en disant, frère, tu vois, dans la prédication, l'opprobre sur la parole ou l'opprobre pour la parole, Frère Branham parle... Pendant qu'il était en Suisse, quoi, c'est à Zurich,
Il a vu un aigle allemand en train de survoler l'Afrique centrale. Tous ceux qui sont lecteurs du message connaissent ça. L'aigle n'était pas africain, il n'était pas congolais, non, 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 non. Il n'était pas chinois, non. Et Frère Branham a identifié, dit, j'ai vu un aigle allemand survolant l'Afrique centrale. Là, donc l'Afrique, au milieu de l'Afrique, il dit, cet aigle-là, c'est de mon ministère dont Frère Branham parlait. Je ne peux pas en parler. Les gens vont penser que je suis en train de me mettre en évidence. Il dit, cet aigle-là, c'est mon ministère. Cet aigle que Frère Branham avait à Zurich, il dit, c'est l'aigle allemand. J'insiste bien. Ce n'est pas l'aigle américain. Ce n'est pas l'aigle français. Ce n'est pas l'aigle suisse. Ce n'est pas. Il dit, est l'aigle allemand. Dieu voulant, peut-être, je n'avais pas prévu cela. Peut-être dans l'émission qui va suivre, je prendrai cette écriture, plutôt cet extrait de cette prédication. Je vous lirai au Frère Branham dit que j'ai vu l'aigle allemand. Et il parle aussi d'un cavalier anglais. Ça, nous n'avons pas l'interprétation aujourd'hui, mais l'aigle, nous savons qui c'est. C'est notre frère Franck d'Allemagne, dit que j'ai vu l'aigle allemand en train de survoler donc l'Afrique centrale. Nous en parlerons, Dieu voulant, dans l'émission qui va suivre. Et nous voyons ici que cet homme a déclaré qu'il était cette. Et Dieu l'appelait selon ce. Comment je vais dire, cette écriture. Alors, j'avais commencé à lire la fois passée son propre témoignage dans cette lettre circulaire de 59 qui date du février 2006, 2006, février 2006, et parlant de 40 ans d'œuvre missionnaire pour lui et de 40 ans de son ministère. Et voilà ce qu'il donne comme témoignage à propos de la manière dont Dieu lui a parlé pour pouvoir confirmer qu'il avait été appelé selon cette écriture. Parce que nous voulons croire uniquement comme disent les Saintes Écritures. Alors, si vous avez cette brochure avec moi, vous qui êtes lecteur du message, il y en a qui disent, écoutez, il ne faut pas lire les lettres circulaires, ce sont des choses ajoutées au message. Ce n'est pas vrai. Je vais vous montrer que ces lettres circulaires, c'est un docteur ordonné par Dieu. Et il ne critique pas, il n'est pas là pour corriger le prophète, ce n'est pas vrai. Il est là pour prendre ce que le prophète a dit et nous l'aligner avec les Saintes Écritures. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce ministère qui nous a évité beaucoup de dégâts. Regardez que tous ceux qui ont abandonné ce ministère du serviteur fidèle et prudent, tous ceux qui se sont rebellés contre cela, ils sont tous tombés dans des fausses doctrines, sans exception. Ils sont tous allés d'égarement en égarement. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont. Je ne veux pas citer leur nom. Il y en a qui sont déjà enlevés. Il y en a qui disent écoutez, Branham est Dieu. Il y en a qui disent écoutez, que beaucoup de choses semblables. Et il y en a qui disent écoutez, nous sommes les successeurs de Branham. Des choses semblables. Et tout simplement parce que quand vous quittez la lumière, il ne vous reste que les ténèbres. Vous comprenez? Et vous savez, quand Judas, Jean chapitre 13. Verset 27, quand Jésus l'a dit, mon ami, c'est que tu dois faire promptement, et on a dit que Judas se levait pour sortir, pour aller faire son œuvre de trahison. Et la Bible dit qu'il s'est plongé dans les ténèbres et il faisait nuit. Il a quitté la lumière pour entrer dans les ténèbres. Alors, à la page 7, juste au bas de la page, je commence à lire, je vais jusqu'à la page 9, pour que vous puissiez comprendre. Parce que nous voulons être certains que c'est Dieu qui a parlé à cet homme. Et d'ailleurs, cet homme a lancé les défis depuis des années, en disant que s'il y a quelqu'un sur la terre à qui Dieu a parlé, dites bien à qui Dieu a parlé, pas qui se lève lui-même pour dire que je suis Jésus. Non, ça tout le monde peut le faire. S'il y a quelqu'un sur la terre à qui Dieu a parlé et qui lui a donné les mêmes écritures, en disant que tu es le serviteur fidèle et prudent, établi selon Matthieu 24, 45, que cet homme se lève et qu'il proclame son témoignage. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai entendu personne. Mais nous avons simplement des aventuriers qui se lèvent. Je suis Matthieu 24, 45. Et c'est moi qui suis ce serviteur-là. Mais mon frère, ma soeur, Dieu confirme ses serviteurs. Dites-nous quand est-ce que Dieu t'a confirmé dans ce passage. Oui, madame, quand nous disons que. Il est Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Cette écriture a été donnée à Meda Brown quand elle était hésitante pour accepter d'épouser ce jeune homme
qui était veuf, qui était William Branham, qui venait de perdre sa première femme, qui était comment on veut dire, Hope Branham. Et il a dit, Seigneur, aide-moi, parle-moi. Si c'est ta volonté que je puisse épouser mon bien-aimé frère, William Aaron Branham. Et Dieu va lui donner l'écriture de Malachie 4, verset 5-6. Et va lire, écoutez, l'écriture disait, voici je vous enverrai le prophète avant que le jour terrible n'arrive. Et sur le champ, il n'a pas compris. Mais c'est l'écriture que Dieu lui a donnée pour la convaincre que tu peux épouser ce jeune homme-là. C'est mon serviteur et c'est l'homme que j'étais prédestiné. Alors ici, allons rapidement à la page 7. Je vais lire lentement, aller lentement pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des fanatiques des hommes. Nous sommes fanatiques de la parole de Dieu. Et nous appuyons ce qu'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Nous n'avons que pour appuyer la vérité. Et voilà ce que cet homme déclare dans cette brochure où il témoigne de son appel. Il dit ceci, en parlant de ce qui est arrivé après. Donc, quand Frère Branham a été retiré de la scène, il dit, pendant les 10 années suivantes, j'ai voyagé dans 86 pays. Et 10 ans plus tard, c'était déjà 120 qu'ils avaient visités. Il y a des gens qui se lèvent dans notre pays, je suis serviteur fidèle. Je peux dire même que même 15 pays n'a jamais visité. Même, parfois même pas 10. Je suis serviteur fidèle. Mais si tu es le serviteur fidèle, dis, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Alors, prends ton bâton de pèlerin, va dans le pays. Frère, moi je vous dis ceci, moi votre frère, je reçois parfois des invitations pour aller prêcher la parole, même dans des pays où le terrorisme islamique est très fort. J'étais invité à maintes reprises d'aller au Pakistan, d'aller dans la ville de Lahore pour aller prêcher la parole là-bas. Mais en tant qu'homme, j'ai dit, écoutez, j'attends que le Seigneur me donne le signe. Et parce que je sais que là-bas, le mouvement islamique sont contre le christianisme. Et vous risquez de tomber entre les mains, c'est pas moi, de subir un attentat, des choses comme ça. Mais quand j'ai vu que mon bien-aimé frère Franck, le jour qu'il avait annoncé qu'il allait au Pakistan, là où j'étais, j'ai dit, est-ce que le frère a bien réfléchi? Mais ce que j'ai vu après était extraordinaire. Il a prêché même dans la rue. Il y avait plein de gens, plein de Pakistanais, pour montrer que Dieu était dans le programme. Parce que le serviteur fidèle et prudent, son ministère doit parcourir le monde entier pour distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Et quand il va, Dieu prend soin de lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu vous appelle, il doit prendre soin de vous. Et une fois, il devait aller en Inde. Il devait prendre l'avion. Le Seigneur lui parle par voix audible, ne prends pas cet avion. Annule le voyage. Il ne savait pas pourquoi. Il dit, annule le voyage. Il est allé à l'agence de voyage. Il a annulé le voyage. Il dit, non, je ne voyage plus. Et c'était la veille du départ. Et le jour après, il apprend que cet avion a fait un crash et que tout le monde était mort. Il n'y avait aucun survivant. Et quand on a publié la liste des passagers qui étaient dans l'avion, qui étaient censés être décédés, son nom aussi était là-dedans. Mais Dieu l'avait épargné en lui disant, ne prends pas cet avion. Vous comprenez? Dieu prend soin de ses serviteurs. Et il dit, donc, en quelques années, il a déjà parcouru 120 pays. 120 pays. Je compte la lecture. Dans le monde entier, j'ai tout d'abord donné aux frères dans les réunions l'adresse de Jeffersonville. Parce que c'était là où les brochures étaient publiées. Afin qu'ils reçoivent les prédications de Frère Branham imprimées en anglais. Au commencement des années 70, le Seigneur a pourvu de telle manière que Frère Don Bablise, avec une petite équipe, envoie des prédications de Frère Branham dans le monde entier, depuis Edmonton au Canada. C'est ce frère, Don Bablitz, qui habite maintenant à Whitehorse au Canada, qu'un samedi après-midi, au milieu des années 70, eut une conversation avec moi. Saisi par le fait que des frères de tous les pays commandaient des brochures de Frère Branham
À cause des voyages missionnaires que j'avais faits, Frère Bablis dit subitement au frère Franck, nous trouvons le ministère de Frère Branham annoncé dans la Bible. Qu'en est-il de ton ministère qui s'exerce maintenant dans le monde entier? Peut-on aussi le trouver dans la Bible? Je craignais le fanatisme et je lui fis un signe de refus et dis, je te prie, cesse avec cela. Comment mon ministère pourrait-il se trouver dans la Bible? Cela ne va pas du tout. Nous avons terminé notre conversation recommandant l'œuvre dans le monde entier à la grâce de Dieu. Et de nouveau, l'inattendu s'est produit. Le matin suivant, le soleil brillait dans la pièce et je me trouvais vers la droite pour prendre ma Bible sur la table de nuit. Lorsque le Seigneur m'adressa ces paroles, mon serviteur, conformément à Matthieu 24, 45, 47, j'étais destiné à distribuer la nourriture. Sur cette parole des Écritures, je n'avais jamais auparavant prêché, et jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'une telle expression était sortie de la bouche du Seigneur. À combien plus forte raison aurais-je pu penser que cela m'était destiné. C'est alors que j'ai lu cela pour la première fois et que j'ai appris qu'un serviteur fidèle et prudent aurait été établi par le Seigneur lui-même sur les domestiques de sa maison, ou sur les esclaves, sur les serviteurs, pour leur donner la nourriture autant comme là. Maintenant, le Seigneur même m'avait adressé cette parole. Ce que cela signifie est écrit par Paul dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10 et est aussi adressé à son collaborateur Timothée en disant, en proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Christ Jésus, nourri dans les ports de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. C'est 1 Timothée chapitre 4 verset 6. Il faut lire les 5 versets précédents où est décrit la situation catastrophique des derniers temps, la complète apostasie et de la vraie foi par les enseignements des démons et des esprits séducteurs pour comprendre le poids de ces paroles et l'importance de la pure doctrine qui sont notre seule règle de foi. Le temps est là et ces paroles des Écritures s'accomplissent dans les deux domaines. Ce ministère est premièrement destiné à tous les frères dans le ministère. Faites bien attention. Ce ministère de Matthieu 24, 45, 47 est premièrement destiné à tous les frères dans le ministère. Bien sûr, le ministère ordonné par Dieu. Afin qu'eux aussi publient la parole révélée de Dieu selon l'ordre biblique et puissent apporter au peuple de Dieu la nourriture sur la table du Seigneur. C'est une chose de mettre en réserve de la nourriture qui est nécessaire à maintenir la vie. Et c'est une toute autre chose que de présenter un mets ou une nourriture préparée pour apaiser la faim spirituelle avec la manne cachée. Dieu a pourtant bien dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. » C'est Amos chapitre 8, verset 11. Ce n'est point du hasard que le ministère du serviteur fidèle et prudent soit directement suivi du cri de réveil à minuit dans Matthieu chapitre 25 verset 6. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ce dernier message est bien directement adressé aux vierges sages. Seul celui qui appartient à l'église épouse acceptera ce que l'époux lui dit par la parole, car c'est de cela que nous vivons. Le fait d'être prête pour les vierges sages, ne peut être lié qu'avec le ministère que Dieu a établi. Aujourd'hui, je dois dire ce qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, car je suis jaloux de vous, et je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari ou un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste ou une vierge pure. Le ministère que le Seigneur lui-même a établi contient lui-même les deux choses, la publication de la parole éternelle de Dieu
et la distribution de la nourriture spirituelle. Et cela débouchera finalement dans l'achèvement de l'Église épouse. Je ne suis pas le porte-voix unilatéral de Frobanam, ni de l'apôtre Paul, à cause d'un appel divin et d'une autorité divine. Je peux seulement être le porte-voix de Dieu, de tout son conseil et de tout ce qui comprend l'Évangile éternellement valable pour le prêcher comme Paul et Frobanam l'ont prêché. Personne ne m'entendra jamais crier. Le prophète a dit, ce n'est pas Paul qui m'a appelé, ce n'est pas Branham qui m'a appelé, mais bien le Seigneur ressuscité, Jésus-Christ, qui les a aussi appelés. Jusqu'à la fin, il sortira de ma bouche la parole de Dieu inchangée, mais il ne sortira aucune des diverses interprétations qui me sont en abomination. Car ainsi dit le Seigneur, mon esprit est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'arrêteront pas de ta bouche. Ésaïe 59, verset 21. Et nous comprenons par là, mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, que ce ministère ordonné par Dieu, vous comprenez, et ce ministère s'adresse essentiellement aux vierges sages. Comment les vierges sages font-elles de la réserve d'huile? Parce qu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 25 qu'il y a eu 10 vierges qui partaient à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages, et elles étaient sages parce qu'elles ont pris de la réserve, et 5 étaient folles. Et ce sont des passages mystérieux. Comment les vierges sages font-elles de la réserve d'huile? C'est en écoutant le ministère établi par Dieu pour la distribution de la nourriture et les ministères qui sont associés, qui sont connectés au Saint-Esprit, pour pouvoir donner au peuple de Dieu non pas n'importe quelle nourriture, mais la nourriture au temps convenable. Vous comprenez? Nous sommes en train d'avancer avec le temps. Et vous devez savoir, la nourriture a été emmagasinée. Vous savez, comme Frère Franck le disait dans ce que je viens de lire ici, il dit que c'est vrai, c'est une chose que d'aller dans un dépôt où il y a la nourriture qui est emmagasinée, et d'en faire sortir les ingrédients. Mais c'est autre chose aussi que de préparer un mets, c'est-à-dire préparer un repas pour donner au peuple qui a faim. C'est-à-dire que tu peux entrer dans le dépôt, la nourriture a été emmagasinée, il y a des brochures, il y a des prédications qui ont été données, et tu peux passer ton temps en disant « le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit », mais le peuple a besoin d'une nourriture appropriée. C'est de prendre ce que le prophète a dit, et de le rendre vivant pour le peuple de Dieu qui est devant toi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une chose que d'aller dans un dépôt où il y a de la farine, où il y a des tomates, il y a des oignons, il y a de l'ail, il y a de la muscade, il y a de l'huile, il y a du manioc, il y a un peu de tout, il y a de la viande, il y a du poisson. Et écoutez, et quand on va au restaurant, aucun restaurateur ne sort du dépôt avec la viande, avec de l'ail, avec des oignons, et il vient mettre sur la table, il dit mangez. Voici le repas que vous avez commandé. Vous avez commandé un steak? Voici le steak. Le steak, allez, voilà. Les oignons sont là, l'huile est là, je vous mets un peu d'huile dessus, un peu d'huile, hein, un peu d'oignon, un peu d'ail, allez, mangez. Non. Quand tu vas dans un restaurant, tu dis, j'ai besoin de manger un steak, par exemple, américain. Le restaurateur, il va prendre la viande dans le dépôt. Il va aller dans la cuisine. Il va prendre ce que tu as commandé. Il va le préparer. Il va te faire un bon steak qui va t'amener avec, bien sûr, les oignons sont là-dedans. C'est cuit. Il y a de l'ail peut-être là-dedans. Je ne suis pas cuisinier. Et c'est préparé avec une bonne sauce. Il va t'amener avec des pommes de terre, avec du riz, avec, c'est pas moi, avec les bananes plantains. Il va te préparer, il va t'amener un repas. Et ce restaurateur-là, il est semblable au serviteur véritable de Dieu. Ils ne viennent pas seulement avec des citations, Branham a dit. Non, ils prennent ce que Branham a dit, ils vous préparent un repas. Un repas approprié au temps dans lequel vous vivez, et ils vous amènent cela. Vous comprenez? Et ils vous donnent. Ces gens qui écoutaient, aujourd'hui, il faut seulement écouter les bandes. Je ne refuse pas. Et vous mettez les bandes. Imaginez un peu, vous allez mettre cette bande dans la forêt de l'Itourie là-bas.
et vous avez des pygmées qui sont là. On leur parle du caribou, de l'ours, et on leur parle de neige, on leur parle, c'est pas moi, des choses qui se passent aux États-Unis, où ils ne comprennent absolument rien, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de la parole vivante, et cette parole, elle est vivante, dans le milieu dans lequel ils vivent. Ils ont besoin que tu puisses prêcher, que tu puisses prendre des exemples qui sont d'actualité dans leur milieu, pour leur faire comprendre ce que Dieu veut dire dans notre temps. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons besoin de serviteurs comme ça, qui sont capables d'aller dans le dépôt, de prendre la farine, de la pétrir, de nous faire du pain, et de nous donner du pain. Et pas d'amener la farine ici. Vous avez demandé du pain, monsieur? Voici la farine, voici l'eau, hein, voici un peu d'huile. Allez, vous pouvez faire le pain vous-même. Ce n'est pas ça. Nous avons besoin des serviteurs qui sont capables de cuisiner, de faire la bonne cuisine, et que le peuple puisse manger et qu'il soit en bonne santé. Pas nous amener seulement les ingrédients. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin que toi-même, qui as entendu le prophète, que tu puisses rendre la chose claire. Quand Timothée allait prêcher, Timothée ne répétait pas tout le temps, Paul a dit. Non, Timothée prêchait la parole. Et regardez ce que Paul a dit à Timothée, qui était son compagnon de route, son compagnon de service. Et cela, je l'adresse à tous les vrais serviteurs aujourd'hui, tous ceux qui se déclarent être du message. Regardez ce que les paroles que Paul adresse à Timothée. Dans 1 Timothée, ou plutôt dans 2 Timothée, chapitre 4, que vous connaissez bien, l'apôtre s'adresse à Timothée. Il ne demande pas, répète seulement ce que j'ai dit. Dis seulement, Paul a dit non. Il dit, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Amen. Ne répète pas tout le temps, Paul a dit, ne prêche pas l'homme, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte en toute douceur, car, et en suivant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais en la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà ce que tout véritable serviteur de Dieu doit faire. C'est cette écriture que le Seigneur a donnée à Frère Branham pour mettre dans la pierre angulaire du Branham Tabernacle. Prêche la parole. C'est cette écriture que Frère Franck, quand il a monté le centre missionnaire de Krefeld, il a pris cette écriture aussi, il a mis dans la pierre angulaire, prêche seulement la parole. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, en tant que serviteurs, nous ne prêchons pas des hommes, nous prêchons Christ et Christ est crucifié, nous prêchons la parole de Dieu. Ainsi, nous voyons, mes bien-aimés frères, que cet homme déclare qu'il est ce ministre-là, ce serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi. Peut-être tu peux dire, écoutez, c'est son propre témoignage, est-ce que le prophète le connaissait? Je vous ai dit que le 3 décembre 1962, devant des témoins, devant le frère Bankswood, le frère Fred Sotman, Frère Branham a confirmé l'appel de ce jeune homme en lui disant que tu as mal compris ce que le Seigneur t'a dit. La nourriture, ce ne sont pas les carottes et les choux que tu as mis dans le congélateur. Ce n'est pas la viande que tu as mis là-bas, mais la nourriture, c'est la parole révélée qui est gardée sur les bandes magnétiques. Pourquoi Frère Branham a-t-il parlé des bandes magnétiques? Parce qu'à cette époque-là, les brochures n'existaient pas. Il y avait à peine un ou deux livres qui existaient. Il y avait le livre de Gordon Lindsay, William Branham, un homme envoyé de Dieu, et qui a été publié dans les années 50. Il y avait aussi un prophète visite l'Afrique du Sud. Mais les prédications dans des brochures n'existaient pas. Il y a peut-être des petits pamphlets
qui est comme publié, je sais que c'est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, mais on n'a pas encore. C'est quand Frère Branham est mort, qu'il a été enterré aux funérailles, que Frère Franck va parler aux frères américains, qui pensaient que tout était fini. Il va les rassembler, il va leur dire, le temps est arrivé de prendre ce qui est sur la bande magnétique et de le transcrire dans les brochures en anglais, pour permettre à nous autres de les traduire dans d'autres langues étrangères. C'est lui, c'est à partir de lui que l'œuvre de la distribution a commencé. Et les frères américains ont obéi. Ils ont pris ce qui était sur les bandes magnétiques, ils l'ont mis dans des brochures, et à partir des brochures, on a commencé à traduire en français, en allemand, en portugais, en espagnol, en d'autres langues. Et c'est de cette manière que le message a commencé à se propager sur toute la terre. Et ça, ce n'était pas du temps de Frère Branham. Frère Branham était déjà rentré à la maison. Parce que Dieu n'a jamais dit à Frère Branham de distribuer la nourriture. J'avais promis de vous lire cela dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Je le ferai prochainement. Et nous voyons que, il lui a dit simplement d'emmagasiner, mais à celui-ci, il a dit d'emmagasiner et de distribuer. Alors, je voudrais prendre deux témoignages de Frère Branham lui-même. Il y en a qui disent, écoutez, bon, si c'était lui, pourquoi Frère Branham n'est-il pas cité son nom? Vous savez, Dieu a sa manière d'agir. Hein? Je peux vous poser une question. Vous croyez que Jésus est le Messie, n'est-ce pas? Montre-moi un seul passage dans l'Ancien Testament où le nom de Jésus a figuré. Montre-moi ça. Où Dieu a annoncé que le Messie s'appellerait Jésus. Mais dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe, sous l'onction, devant des chefs militaires qui étaient venus pour avoir des nouvelles pour aller à la guerre, Ésaïe leur dit, voici l'Éternel me donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais quand l'ange Gabriel est venu, il n'a pas parlé d'Emmanuel. L'ange Gabriel a parlé de Jésus. Emmanuel, c'était ce qu'il était. C'est-à-dire Dieu avec nous. Mais Jésus, c'était ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que dans le nom Jésus, il y a un mystère qui est caché là-bas. Dans Jésus, il y a Yahweh Sauveur. C'est-à-dire que c'est Yahweh qui est venu dans un corps de chair pour nous sauver. Mais il était Emmanuel. Il était Dieu avec nous. Montre-moi dans l'Ancien Testament le nom de Jean pour Jean-Baptiste. Ça n'existe pas. Mais l'ange est venu, il a dit à son père Zacharie, tu donneras à cet enfant le nom de Jean. Et ça a été une pierre d'achoppement pour ses collègues de service. Ils ont dit, non, 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 il n'y a pas de nom Jean dans votre famille. Comment tu dis que va donner? Et Jean, plutôt, Zacharie confirme, il dit, donne-moi le papier parce qu'il ne parlait pas. Il a écrit sur un bout de papier, son nom sera Jean. Un point, un trait. Et quand il a écrit, sa langue s'est ouverte, il a commencé à louer Dieu. Et tout le monde a eu de la crainte. Vous comprenez? C'est la même chose. Et regardez, je vais prendre, si j'ai le temps, je vous ai dit qu'au début du mois de janvier 1963, ce jeune homme qui était Frère Franck est revenu aux États-Unis. Et Frère Franck, Frère Branham l'avait dit, je dois aller vers l'ouest. Et le Seigneur m'a donné un signe que quand je verrai le bulldozer en train d'agrandir la route et que je verrai les haies de la clôture couchées sur le gazon, c'est un signal pour moi qu'il faut partir. Il doit aller à l'ouest, il devait aller à Tucson. Et quand Frère Franck est revenu, au début du mois de janvier, et il dit que j'ai vu de mes propres yeux le bulldozer en train d'agrandir la route. Et j'ai vu de mes propres yeux le hai couché sur le gazon. Et Frère Branham lui dit, c'est le signal que Dieu m'a donné, je dois partir à Tucson, je dois partir vers l'ouest. Il dit, j'étais invité à prêcher dans une grande réunion des hommes d'affaires du plein évangile à Los Angeles.
Je ne pourrais pas y aller. Je te recommande que tu ailles là-bas pour prêcher à mon nom. Et regardez, alors le 18 janvier, 18 janvier, et là, c'est à Phoenix, Arizona, 1963, c'est avant l'ouverture de Sceaux. Et regardez ce que cet homme de Dieu, parce que d'abord, il a eu cette vision pour laquelle il a parlé dans la prédication Monsieur Esler. Donc le 22 décembre, en fait, il a vu ce qui allait se passer avant l'ouverture de Sceaux, la révélation de Sceaux. Et il a pensé que c'était sa mort, parce qu'il s'est vu sur la montagne, il a vu une grande explosion, il était propulsé en l'air, il y avait des pierres qui roulaient partout. Il a dit à sa femme, je pense que le Seigneur m'a montré ma mort, je vais bientôt partir. Et il était anxieux. Et quand il a prêché le 30 décembre, cette prédication, Monsieur Sleur, c'était un homme qui était aux abois, il ne savait pas ce qui allait venir. Il ne savait pas s'il allait mourir, c'est qu'est-ce qui se passe. Il dit, Seigneur, si c'est une nouvelle phase dans le ministère, puisses-tu me le révéler. Et regardez maintenant, le 18 janvier 1963, à Phoenix, Arizona, pendant qu'il prêchait. Cette prédication extraordinaire, l'esprit de vérité. Je prends ici la traduction de nos amis de Shekinah ici à Kinshasa. Elle est plus ou moins conforme. Et à la page 6, paragraphe numéro 20, il dit ceci. Il dit, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu de l'ouest, voilà, vous voyez, il a quitté Jeffersonville pour aller vers l'est. Je suis venu à l'ouest, donc il a quitté pour venir à l'ouest. Vous avez joué la bande. Cette bande-là, c'est Monsieur Esler. Beaucoup parmi vous, je pense que vous comprenez. Je ne sais pas ce que. Il ne sait pas ce qu'il fallait faire. J'attends. Il m'a dit de venir à l'ouest, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Oh, l'homme reste l'homme. Et il y en a qui pensent que William Branham était Dieu. Il était le. Non. Il était le serviteur de Dieu. Il m'a dit de venir ici à l'ouest. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez entendu la prédication. Je suis ici. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Écoutez maintenant. Je ne fais qu'attendre. Et peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Vous voyez la pensée. On dirait que c'est vraiment cela. On dirait que je vais partir. Écoutez, 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 écoutez. Si c'est le cas que je rentre à la maison, il s'élèvera après moi quelqu'un, pas une foule de personnes, mais quelqu'un, un individu, qui continuera avec le message. Vous entendez? Pas une foule de gens, il s'élèvera quelqu'un, Dieu va susciter quelqu'un. Il s'élèvera après moi, si je rentre à la maison, il s'élèvera pour moi quelqu'un, un individu qui continuera avec le message. Écoutez, pour vous montrer qu'il connaissait la personne. Il dit, ça sera une personne étrange. Oh là là. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Il savait qui il était. Il s'élèvera après moi. Il sera étrange. Écoutez cela. Tant que cela c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Vous savez, j'ai eu à visiter les États-Unis. Les Américains pensent que le message est américain. Ils pensent qu'après Branham, en tout cas, il ne peut pas avoir quelqu'un dans le monde entier qui peut s'élever pour dire, écoutez, j'ai aussi un ministère qui est mondial. J'ai assisté à une convention en Californie, à Oakland. J'ai fait la connaissance de beaucoup de serviteurs de Dieu là-bas. Mais n'abordez pas la question du ministère du serviteur fidèle et prudent. Directement, la conversation s'arrête. J'ai été en contact avec un frère canadien qui vient du Canada. Nous sommes très, très amis. Oh, il était très content. Et même après, on a échangé. Le jour que j'ai essayé de lui envoyer un email
pour lui parler de ce ministère, notre relation s'est arrêtée. Ça s'est arrêté là, net. Et il ne m'a plus jamais écrit, il n'y a plus jamais de contact. Mais il faut vraiment dire que, autant que cela est scripturaire, accrochez-vous à ça, accrochez-vous à ça. Nous sommes censés accepter ce que Dieu nous dit. Abraham dit, je sens que mon temps pour rentrer à la maison est arrivé. Mais il s'élèvera après moi quelqu'un. Et quand cette personne viendra, il continuera avec le message. Le message ne va pas s'éteindre. Le message doit préparer l'épouse. Et quand il a prêché la révélation de sept sceaux, dans celui que vous connaissez, et je vais lire rapidement avant que nous puissions clôturer pour aujourd'hui, et je reviendrai sur ça dans l'émission qui va suivre. Regardez ce que Frère Branham déclare dans sa prière finale. C'était le 24 mars maintenant, 1963, et je lis cette prière, et nous allons terminer par là. Et puis il dit, et puis Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Quand viendra le moment où je devrai me reposer, quand j'arriverai au fleuve, et que les flots commenceront à m'emporter, ô Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un, pas un groupe de personnes, à quelqu'un, j'insiste, à quelqu'un d'autre, qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité, accorde-le Seigneur, et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre. Et Dieu a confirmé son serviteur, et Frère Branham, avant de quitter la scène, il a confirmé que cet homme avait un appel. Il a parlé de lui. Il dit, il s'élèvera après moi quelqu'un qui prendra ce message, qui l'amènera. Et au moment où je vous parle ici, il a déjà visité plus de 170 pays, à peu près 69-70 pays. Et toi qui prétends que tu es Matthieu 24-45, tu en as visité combien? Même pas 20, même pas 10. Et tu prétends être ce ministère-là. Ainsi, que Dieu bénisse. Que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures. Ne soyez pas le fanatique des hommes, des pasteurs, je sais pas moi, des évangélistes, mais soyez des fanatiques de Jésus-Christ. Soyez fanatiques de la parole de Dieu. Et attachez-vous à ce que le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole, afin de ne pas tomber dans les pièces du diable. Et les vierges sages, elles font de la réserve d'huile en écoutant le ministère ordonné par Dieu. Si vous refusez d'écouter ce ministère, vous n'aurez pas de réserve et vous ne verrez pas l'enlèvement. Et ça, je vous le dis avec assurance, tous ceux qui se pour moi, nous allons dans l'enlèvement, vous chantez bien, aussi longtemps que vous ne connaissez pas le ministère ordonné par Dieu et que vous n'écoutez pas ce ministère pour pouvoir faire de la réserve d'huile, alors sachez que vous ne verrez pas l'enlèvement, vous ne verrez pas la face du Seigneur. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous comprenez? Et il n'y a pas que ce ministère-là, il y a les autres domestiques sur lesquels ce ministère a été établi. Quand vous refusez d'écouter même ces ministères-là, vous ne ferez pas de la réserve d'huile. Vous allez simplement vous embrouiller et au jour du jugement, vous direz, Seigneur, j'ai prêché l'évangile en ton nom. Oui, tu l'as prêché. J'ai fait des miracles en ton nom. Oui, tu l'as fait. Mais tu diras, éloigne-toi de moi, ouvre tes iniquités. Parce que je ne te connais même pas. Je ne t'ai jamais connu. Ainsi que le bénisse, qui vous accorde justement des choses les meilleures. Et que la grâce tout-puissant repose sur vous. Mon but n'est pas de critiquer qui que ce soit. Mon but, c'est de vous annoncer la pure vérité, le pur évangile qui peut vous permettre d'être dans la présence du Seigneur ce jour-là. Et que tu sois baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir prendre part à l'enlèvement. En dehors de cela, tout n'est que tromperie religieuse. Que Dieu bénisse et qu'il vous accorde le discernement, ou plutôt qu'il vous accorde des bénédictions jusqu'à ce que nous allons nous revoir à l'émission prochaine.